Visage emblématique de TF1 durant de nombreuses années, Catherine Laborde a présenté la météo sur l'antenne de la première chaîne jusqu'à son départ en 2017. Depuis, l'ancienne animatrice se bat contre la maladie. En effet, cela fait maintenant près de 10 ans que Catherine Laborde souffre de la maladie à Cordes-Lévy. Pour rappel, il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui affecte ses capacités cognitives. De passage sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui en 2022, émission rediffusée ce jeudi 5 octobre 2023 sur France 2, le mari de l'ancienne présentatrice météo de TF1, Thomas Stern, s'était confié sur l'évolution de la santé de son épouse. Malheureusement, ces dernières nouvelles n'étaient pas très bonnes. Là, je passe une période qui est un peu plus dure que jusqu'à l'écriture du livre en gros. Catherine a une maladie à évolution lente mais aussi une maladie neurodégénérative, un cocktail entre Alzheimer, Parkinson, il y a des troubles moteurs, du langage, des crises d'angoisse, des hallucinations, si est-il un tableau costaud. Avait-il déclaré face à Faustine Bollaert. Elle vient de rentrer dans une phase où elle a du mal à s'exprimer, elle comprend ce qu'on lui dit mais elle a énormément de mal à formuler les choses et donc la communication devient extrêmement compliquée, avait également ajouté le mari de Catherine Laborde. Thomas Stern sur Catherine Laborde, je ne me suis jamais autant senti son homme que dans le fait d'être son aidant. Thomas Stern a suivi l'évolution de la santé de sa femme, qui ne cesse de se détériorer. Alors que Faustine Bollaert a diffusé une archive de Catherine Laborde, dans laquelle elle s'exprimait de manière assez fluide, son mari a précisé qu'elle en est désormais incapable. Aujourd'hui elle n'est plus du tout dans ce registre, a souligné le beau-frère de Françoise Laborde. Je pense que je ne me suis jamais autant senti son homme que dans le fait d'être son aidant. Je pense que la différence entre un aidant et un soignant, si est-il que la maladie existe pour les deux, mais l'aidant cherche toujours la personne dans le malade, même s'il doit la nourrir avec des souvenirs, la faire revivre, la réincarner. On ne peut pas faire autrement sinon une cassure s'installe, a finalement conclu Thomas Stern. Just need some